Moi, donc, je suis professeur au Muséum des sciences naturelles et je suis microbiologiste. Et on peut se demander ce que vient faire un microbiologiste aux journées d'agroécologie méditerranéenne. Mais en fait, c'est le résultat d'un... Enfin, pour moi, c'est le résultat d'un long chemin qui a été accompagné par des rencontres. Par exemple, celle d'Hervé Covès, celle d'Alain Canet. Des rencontres où j'ai été interpellé pour venir raconter ce qui se passait dans les écosystèmes. Et puis finalement, bah, ça crée une forme de maturation. C'est-à-dire qu'à un moment, on se pose plus les questions biologiques de la même façon. Et ce que je raconte aujourd'hui, et ce que j'ai raconté la première fois où j'ai rencontré des auditoires de gens qui effectivement réalisent l'agriculture, ça a beaucoup évolué parce que ça a beaucoup profité des questions finalement qui m'étaient posées et qui ont moins recentré mon approche de compréhension. Moi, ça fait très longtemps que je collabore avec Arbres et Paysages. D'abord avec Arbres et Paysages 32, puis aujourd'hui avec Arbres et Paysages 66, dans ce cadre de rencontres en agroécologie de la région méditerranéenne. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là, parce que moi je suis donc ethnobotaniste et j'ai travaillé sur les systèmes agroforestiers qu'on qualifie de traditionnels, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais c'est pas très grave. C'est vraiment grâce à Alain Canet, je pense, qui m'a sollicité en 2008 pour écrire un livre sur ma longue vie et mes longues expériences. Et à cette occasion-là, on est allés ensemble dans la DSA espagnole. Et j'ai rencontré ce groupe absolument incroyable de gens, alors d'un peu de tous bords, mais qui étaient complètement excités autour de l'agroforesterie et qui voyaient les choses complètement différemment de celles dont j'avais l'habitude, c'est-à-dire des cercles bien polis de chercheurs. Et ça m'a fait travailler autrement. Enfin, à la fois travailler autrement, mais surtout parler autrement de ces systèmes qui me tenait à cœur, hein. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, et ça, ça m'a fait le plus grand bien, je ne m'adressais plus aux chercheurs. C'est vrai que quand on est chercheur, on est quand même assez invité à parler entre chercheurs et à s'adresser aux chercheurs dans nos écrits en particulier. Et les chercheurs parlent aux chercheurs, ça tourne vite en rond, de mon point de vue. Alors ça, c'est un truc important, c'est que la recherche, elle doit parler à la société. Et alors, ça revient à la fois à dire qu'elle doit donner ses résultats, mais elle doit aussi proposer ses méthodes et, par exemple, mettre un peu en perspective un certain nombre d'idées reçues ou d'opinions basées sur des réussites empiriques. Il y a des réussites empiriques qu'on peut appuyer de résultats théoriques, donc on peut proposer des choses. D'autres, au contraire, on peut se dire qu'il y a un effet trompeur d'un autre paramètre qui n'a pas été vu. Et puis, il y a des fois, on dit « je ne sais pas ». Et ça, finalement, c'est aussi peut-être quelque chose d'important qu'on a apporté, c'est de la méthode. Notamment, le doute, et de dire « mais des fois, on ne sait pas ». De dire aussi qu'un point ne compte pas, ce qui compte, c'est si on a plusieurs points qui racontent la même histoire. Enfin, c'est d'aider à avoir une méthode qui permette de discerner dans le buisson de ce que l'empirisme propose, ce qui est jouable sans danger pour l'environnement, sans danger financier pour l'exploitant. Enfin, ouais, ça nous dépolie d'une certaine façon par rapport au monde poli. C'est que ça nous oblige à beaucoup d'humilité, souvent. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent « je sais pas », mais à montrer aussi des éléments de méthode qu'entre scientifiques, on discute jamais. Oui. Moi, c'est peut-être un peu différent parce que en sciences humaines et sociales, oui. on est beaucoup moins sur des méthodes très carrées. C'est pas tout à fait comme les biologistes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en venant ici, et c'est vraiment dans les deux sens. Je peux pas parler à la place des gens d'Arbres et Paysages. Mais moi, je suis arrivée en leur montrant que ce qu'ils faisaient, c'était relativement universel. Et qu'on le trouvait partout dans le monde. Et que, du coup, ils se reliaient aussi à toutes ces expériences vécu hein, des agriculteurs dans le monde, qui se relient elles-mêmes à une longue tradition de vivre et de produire avec l'arbre. Enfin, j'espère que ça a éclairé un peu différemment la façon dont ils voyaient leurs propres pratiques. Ils n'étaient pas en train d'inventer la roue. Ils redécouvraient des choses qui faisaient partie d'une vraie tradition agraire relativement universelle. Ça, c'est une chose. Et puis, ça m'a permis aussi, là, peut-être en tant que scientifique, connaissant d'autres systèmes, de leur dire, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que l'agroforesterie est en train de proposer, aujourd'hui, en France, il y a deux façons de voir les choses. Soit on réinvente tout, parce qu'il est temps de tout réinventer, soit on continue à faire la même chose avec des arbres, en plus. C'est-à-dire on fait de l'agriculture moderne avec des grosses machines, on met des rangées d'arbres, et ça ne va pas changer grand-chose. Moi, j'espère que ce regard que j'ai apporté sur les pratiques, sur ces pratiques nouvelles en France, ont permis à certains, et puis au groupe, de penser différemment. Genre, on en a beaucoup discuté avec Alain Canet, et bon, il a un peu changé aussi son point de vue.
parce que c'est vraiment important de se poser la question, pourquoi on va faire... Alors l'agroécologie étant plus vaste, forcément on fait autre chose, mais l'agroforesterie, on peut très bien faire de l'agroforesterie sans rien changer au système. Ce qui est en train de se passer dans pas mal d'exploitations dites modernes, intensives et rentables. Cette idée d'évoluer, là, bon, c'est assez à la fois le fait de la science. Bachelard disait que justement accéder à la science, c'est accepter un renouvellement, un rajeunissement, et éventuellement des choses choquantes. Mais en fait, le mouvement est à deux sens. C'est-à-dire que moi, il y a des questions que je m'étais pas posées. C'est une maturation qui s'est produite aussi en parallèle avec les recherches qu'on menait sur la truffe dans mon équipe, et qui demandait bien sûr d'aller chez des trufficulteurs. Hein. Et donc eux, ils avaient leurs questions, qui n'étaient pas les nôtres. Et ça, ça fait beaucoup évoluer notre programme de recherche. C'est, dans l'autre sens aussi, ça change le questionnement. En fait, moi je pense que la vulgarisation, parce que pour nous, ça rentre dans la boîte de ce qu'on appelle la vulgarisation, qui est une très grosse boîte, mais c'est rendre compte à la société. C'est à la fois un devoir, mais c'est aussi quelque chose qui nous fait évoluer justement dans nos questionnements, au moins dans nos façons de raconter et d'expliquer. C'est pas la même façon que d'expliquer à des collègues, hein, mais c'est une façon beaucoup plus riche, parce que justement, comme il y a un questionnement en face, c'est dynamique comme échange. Ça change complètement la façon d'approcher les choses. Et moi, j'ai réalisé des tas de liens ou des tas de preuves de choses, et que maintenant j'utilise par exemple en cours, des tas de choses que j'avais pas réalisées avant et qui appuient ma pratique. Et donc, c'est vraiment un mouvement d'évolution croisé. C'est super riche, quoi. Ouais. Oui. Alors pour moi, c'est pas seulement de la vulgarisation, ça fait aussi partie de la recherche. Oui. Parce que bon, moi j'ai travaillé avec des populations locales un peu partout dans les pays du Sud, et je me suis rendu compte en essayant de travailler en France que l'accès aux agriculteurs, c'est pas simple. Mmh. Et dans certains cas, c'est même impossible. Oui. C'est j'ai pas le temps, qu'est-ce que ça va me rapporter, puis qu'est-ce que vous voulez mettre votre nez dans mon exploitation, mais pourquoi faire? Et là, j'ai trouvé des gens d'une générosité absolument incroyable. Donc toutes ces praticiens hein, qui gravitent autour d'arbres et paysages, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui ont envie de partager et qui accueillent complètement ce regard du scientifique sans se dire « qu'est-ce qu'il va me dire de mes pratiques? Qu'est-ce qu'il va faire de moi ?» Et ça, cette générosité, d'abord il faut la mentionner, c'est important, et ça permet de travailler encore avec des « entre guillemets populations locales » parce que c'est bien ça, avec des gens qui sont les mains dans la terre, qui produisent avec des arbres et qui ont plein de choses palpitantes à raconter ici comme ailleurs. Et puis, aux rencontres d'agroécologie méditerranéenne, il y avait le maire d'Elne hier. Et donc là, il y a aussi cette possibilité de... C'est l'autre travail, hein, c'est celle des citoyens, j'allais dire ordinaires, qui, comme toi et moi, ben, font l'agriculture de leurs achats ou font le paysage de leurs aménagements. Il y a la possibilité de commencer à parler à des sphères plus larges. Et ça, c'est vraiment un enrichissement. Ouais. Enfin, moi, j'espère. Moi, je dis à mes collègues, mais parce que parfois, on nous demande, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? C'est pas vraiment votre boulot. Je leur dis, mais allez-y, ça va complètement changer votre façon de voir et puis les relations que vous pouvez avoir avec des non-scientifiques et puis ça va changer la façon de raconter ce que vous faites et de comprendre ce que vous faites du coup. Eh ben, on continue l'an prochain. Ah ben, j'espère bien. Vous allez recommencer l'an prochain et nous réinviter, hein. Merci. Sinon, on sera un peu déçus. Ouais.